Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de topping. Alors, si vous aimez le topping pédagogique, je vous recommande chaudement la chaîne de Pierre Calandini. Une partie tous les jours publiée avec beaucoup d'explications détaillées pour comment mieux jouer au Scrabble. Et si vous voulez jouer des parties comme dans les clubs et comme dans les tournois, ce serait dans ce cas-là plutôt la Ronde des Lettres, la chaîne YouTube La Ronde des Lettres. Voilà, c'est la troisième partie du mercredi 22 juillet. Dans les deux premières, ça s'est plutôt bien passé de mon côté, avec moins 1 et top. C'est dommage, le coup que j'ai raté était un peu idiot en première partie, mais bon, on sait que c'est toujours comme ça. On a tôt fait de rater un coup idiot. Et bon, si je topais la troisième, je serais particulièrement content de mes trois parties du jour. Alors, on y va. Ça commence. Ah, alors, je n'ai pas le top. Donc, on a le J, donc on va forcément utiliser le J. Il faut trouver un mot avec le J. Ah oui, geste. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal à faire ce mot. Et ce n'est pas le top. C'est génial. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ces lettres. Dej. Ah oui, le nouveau mot des suites. Dej. Qui est une formation assez bizarre. Mandéen pour commencer, hein. Bon, bah très bien, c'est le quadruple, il fait 36 points. Le mot n'est pas très connu, ça fait plaisir. Bon, bah j'ai juste mis le X sur le bleu foncé hein, et ça a fonctionné. Allez, E. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Pigé. Ok, mais dès que je tape un truc, c'est le top quoi, et pourvu que ça continue. Picrite, picrite, non. Pitris, spicrite. Pistris. Crit. J'arrive pas à faire des mots. Typé. Ah voilà, ça fait une tête de top quand même. Si on fait Cyprin. Mais non. Peu. Trip. C'est nul. Il n'y a pas Picrit, hein, on est tellement d'accord là-dessus. Cyprite, Pistris, Excipé, ça fait combien? 22, c'est pour le plaisir. Si on fait Prit, si on fait Pris, faut faire Prissy, Creepy, et Creepy, Précis, Prissy. Et là, il faudra mettre le C et faire Sip, Sip, il y a Sip en plus, mais bon. Voilà, ça c'était sûr que j'allais taper au bout d'un moment. Bon, là on a quoi? On a rien. Il y a peu, mais c'est pas. Même si je fais creep, ça fait peu. Creepé. Crépi. Oh là là. C'était pas facile cette histoire. Allez. On s'en est sorti. Le T ici, on surveille. X-Time. Bon, c'est pour le plaisir. Éviter, ça fait combien de points? 21. D'accord. Bon, si on joue là. Là. Ok, le petit legendre. On vérifie. Ok, ce n'est pas le top. Rétif, ça fait forcément moins que vérif. Frime, ça fait 34. Eh ben, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'elle peut être frimée? Je crois que oui. Du coup, Véti. Ok, le W pour l'instant qui est délaissé. Donc, on continue. Ouais, what, wit, what. Peut-être finissant par. Ouf. Même si on faisait ça. Ah ouais, ça ferait 27. C'est pas dingue. Bon, le H ici. Admettons qu'on veut vraiment mettre le H ici. Ouais. On n'y arrive pas trop quoi. Waters, purée. On le voit pas souvent ce mot de 6 lettres, toujours avec un S. Et j'ai failli me faire surprendre. Oh, mince, ça fait pas un mot très valable. Et là. Bon, plutôt ici, j'imagine. Allez, plus long. Mot compte triple. Allez, ça se passe bien. Annulier, il faudrait un E quand même. Un Z ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Aviné, ça aurait été bien, mais c'est à l'envers. Zani,
Là, peut-être un Z ici qui rentre déjà. Ok, c'est dommage. Ça pouvait être le top, ça. Saliné, Silané. Le Z ici. Si on met un Z ici. Bon, je sais pas facile. Bon, là peut-être. 34. Ah! C'est pas le top. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Ben voilà, une case bleue. À force d'essayer d'aller chercher les cases bleues. Like. Attention à ce tirage. Est-ce qu'on peut faire un verbe avec un K ici? Je vois pas. Est-ce qu'on peut mettre le K en bas? Ça serait cool. C'est pas facile. Là, Kelvin. Ça tombe plutôt bien. Ah, on peut même peut-être faire des trucs comme ça, mais bouf. Bah, pas loin quand même, hein. Ouais, ça aurait fait un peu plus de points. Mais bon, j'ai l'impression qu'on peut pas passer. C'est pas à l'Odial, hein, cette fois. Dix-neuf points, c'est pas fou, hein. Là, ça a l'air d'être une bonne place. Ardillon sur un R. Dalion sur un S. Ladino. Bah, j'ai pensé à de Ladino. Pas vu que ça passait sur la grille. Très bonne nouvelle. Allez, ça se passe franchement bien. Barque. Ah ouais. Barry. Ouais. J'avais comme un doute sur le mot. Muon. Sans conjuguer, bien sûr. Quiz, c'est nul. Qui. Anki. Alors, est-ce que ça fait encore le pivot? Chi. Eh bien, oui. Oh non. Bon, mot qui est en dessous, du coup. Le O qui m'a. Récolta, allez. Attention là, soutane et nous. J'aurais mis un mot de 6 lettres. Hein. Mais bon, sinon faut descendre. Ah, j'ai cru que c'était Uno, mais on le voit plus Uno. À un moment c'était tout dans le top, puis on voit plus du tout. Admettons qu'on fasse un truc ici, ça fait que 23. Le Z. Le S. En fait, je crois pas des masses à un Scrabble ici. Je pense qu'il faut optimiser ce truc, mais je sais pas comment. Towon ou un truc comme ça là? Genre Towon. Ouais, ça fait pas. Tone. Tone. Ça marcherait, Tone. Bien sûr, mais. Note, note, anote. J'arrive pas à nat. Unat, onat, nuat, onat. Ah, je suis en galère là. Anna, ça fait combien? 21. Anno. En E, A, U, y a quoi? Y a rien. Tano, tono. Y a pas anat. Unat. Ça m'énerve. Uniat. Là. J'avais dit quoi? Année. Année. Ouais, mais il n'y a pas année. Luc, les cloques. Là, on est d'accord que ça va pas faire. Non, 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 mais. C'est forcément là, mais. Un mot de 6 lettres, là. Là, j'y crois pas trop, quand même. Ça m'énerve parce que. Tuna, mais
Ona. Ona, il n'y a pas Ona là? Ona, purée. Ah, je suis en galère. Attends, autant. Autant! Oh non, c'est pas le top! La blague! Tout, c'est pas le top! Renoua. Waouh! J'hallucine! Enouma? Enou. Ah! Mince, ça marche pas. Crépita. Moi, je pensais juste à crépi, à crépite du verbe crépir. Ah, j'ai pas du tout vu cette place qui récupère le W. Ah, oh, c'est incroyable, je trouve, comme place. Enfin, ça se prépare, évidemment, mais voilà, j'ai rien préparé. Mais ouais, dans l'action du topping, là, je trouve ça. Waouh! Super dur. Allez, on va essayer d'enchaîner. Pas trop avec quoi d'ailleurs. 27 points, c'est pas mal quand même. Y a Soulan, ouais. Soula n'est pas le top. Ona du coup. Ouf. Bah dis donc, deux coups de suite où je suis en galère alors que j'étais bien parti. Là, usage. Ah mince, ça marche pas. Usaga, l'usaga. Sagan, Sugan. Saga, Usaga, l'usaga. Aïe, aïe, aïe. Oulana, Nuala, Anula, Saluna, Salion. Olana, Alouz, Lunza. Elou, Elou. Elouan, bon, faut descendre plus, c'est ça. Hein. Azan, allez. Ah, il n'y a, y a que deux A. Azana, Azano, Azona, Ozana, Usana, Lusana. Oh, c'est dur là. Hein. Ulana, Aluna. Pouah, la galère, quoi. Je suis faible dans la place là. Hein. Si Nigel me voyait, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? Toga, ça fait combien? 30, excellent. Et le guignol va essayer de finir quand même avec un seul coup raté. Ouais, c'est fait. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Urat, j'ai pas vraiment de regrets parce que j'étais pas du tout, du tout, du tout à cette place. Conséquence de quoi? Bon, ça veut dire que je dois continuer à travailler mieux les places. C'est vrai que je prépare rien du tout quand un mot est posé. On va refaire la genèse de cette partie pour voir comment j'aurais pu peut-être préparer ce coup raté. En tout cas, bien content, hein, il y a plusieurs coups difficiles, mais en D1, adepte d'une religion gnostique du Proche-Orient. Je sais pas pourquoi mon cerveau le rapproche de Vendéen, ça n'a strictement aucun rapport. Hein, mais, voilà. 36 points plus 13, ça commençait fort. Bon, le pivot X, c'était plus abordable, là aussi. Pigé, ça venait tout de suite. Crépi. Alors voilà, déjà, est-ce que. Alors déjà, c'est ici, je pense, si je me dis vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre autour, tout autour de crépi. Et peut-être je pense au verbe crépiter. C'est vrai que j'étais complètement bloqué sur le verbe crépir. Faut vraiment se concentrer pour dire, ok, il y a un autre verbe qui est le verbe crépiter. Et là, on se dit crépita, on peut commencer à préparer pour la suite. Et je pense que c'est peut-être déjà la clé, parce qu'après, ça peut être trop tard. Ok, vert, frime, bon. Tout ça s'enchaînait tranquillement. Water, c'est une difficulté là, hein. Plus 16. Waters. Les Waters, ouais. Ouais, crépiterait déjà à 32 points. Ouri, ok. Femme divinement belle. Exilée. Ouais, le X, aller chercher le X. C'était pas mal. Kelvin, oh, il y avait plusieurs coups délicats. Hein. C'est pas qu'ils étaient impossibles, mais c'est que c'est un enchaînement quand même de coups délicats. On a tôt fait d'en rater un, je trouve. Le Joker, ma foi. Hein. Pas évident. Ladino, pas évident. Ozalid, le sous-top, encore pire. Annie, Crépita, ouais. Si on n'avait pas pensé à Crépita, on était un peu à la rue sur ce coup-là. Ouais. Barry, moi j'étais plus sûr. Il y a Baryon aussi.
On se met une petite pression. Ouais. Bisquet qui faisait moins 1. Ok. Tout comme B d'ailleurs. Mokion, ouais, je suis tombé par hasard dessus. Ah, il y avait moins 7 sans scrabler. Et le pivot qui, dont je me méfie comme de la peste. Jusqu'à ce que je cesse de m'en méfier et que je le rerate. Récolta, crolate, nouveau verbe crôler. Crotal, écolate, scrotal. Waouh, rectoral. Joli coup. Ouais, alors là, uran, urate. Ouais, non. Alors, je suis pas revenu, mais est-ce que quand on a posé waters, j'avais la moindre chance de continuer à préparer crépita? Franchement, non. Et quand on a posé Barry, en fait, quand on a posé Waters, techniquement parlant, je pense que je dois identifier le U à côté du W et me demander si on peut descendre. Et peut-être à ce moment-là, quand je me demande si on peut descendre, je pense au verbe crépiter, normalement. Peut-être c'était ici l'instant clé. Soit après crépi, soit ici. Plus ici, je dirais, parce que c'est là qu'on voit qu'on a une double place. En fait, souvent, c'est en multipliant par deux les points, enfin, c'est en avec double rallonge ou double case de couleur. Donc, par exemple, quand on fait le jante, c'est case bleue plus case rose ou case bleue plus case rouge. Et là, c'est là où ça fait des points. Et quand on fait, par exemple, les points du W plus les points de crépi, on monte tout de suite à une trentaine de points. Ouais. Et c'est là qu'il faut se dire, ok, si on descend, ouais, c'est à ce moment-là, je pense. J'essaierai appliquer ça la prochaine fois, évidemment c'est pas garanti du tout que j'y arrive. En fait, le plus étonnant serait que j'y arrive. Alors j'étais tellement content de mon autant déjà, et Inoua faisait autant en vérité. Ouais, autant on emporte le vent. Non, c'est un vent, hein, donc vous pouvez mettre au pluriel. Bof, agota, ok, doga. Il y a eu du vocabulaire quand même dans cette partie, dignité de doge. On finit avec là. Allons voir les résultats de cette partie. 10 joueurs au top sur cette partie un peu délicate. Bravo à eux. Sur 77 en plus. Hein, donc, c'est vrai que c'est un peu trompeur. C'est vraiment les plus motivés qui jouent. On pourrait dire bravo à Thierry. De Chamalière. Troisième série qui top cette partie. Ainsi que Stéphane Dutet. Bravo à tous les deux. Sinon, c'est plutôt des habitués des toppers. Et on a comme moins 4. Voilà, je suis avec Christelle Nivet. Derrière les moins 1. Derrière les moins 1. Ouais, ça veut dire que Urat, Urat, quand même. C'était dur. Ok, et eh bien, ma foi. C'était pas mal comme journée. J'ai raté que deux coups. Focal dans la première, moins 1. Pas comment j'ai fait pour pas réussir à le former, mais c'est comme ça. Et puis ce urat urat dans la troisième, donc le triple top était clairement possible, tout comme hier. Peut-être finira-t-il par tomber. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois, hein, le triple top. C'est clair que le deuxième serait aussi que content que quand on top sa deuxième partie de tournoi. Hein. La première, c'est spécial, mais après, on reste quand même toujours très très content de réussir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous rappelle la chaîne de Pierre Calondini si vous voulez voir des parties pédagogiques bien détaillées, expliquées. Et un petit pouce bleu, un petit partage pour faire connaître la chaîne. Ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!